Alors, sers-toi un café. Aujourd'hui, on va parler de la loi de l'attraction. Et comme j'aime bien le faire de temps à autre, autour d'un café, voilà, de discuter tranquillement sur un sujet qui me pose question. Je me suis un petit peu intéressé aux lois de l'attraction récemment, voir un petit peu de quoi il en retournait. Alors, quand je dis m'intéresser, ça ne veut pas dire que je sois compétent dans le domaine, hein, bien évidemment. C'est pas parce que je lis quelques articles sur Internet que je suis compétent dans quelque chose. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir en tant que psychologue si la psychologie peut dire quelque chose de la loi de l'attraction. Alors, la loi de l'attraction, grossièrement, si vous ne voyez pas ce que c'est une croyance qui véhicule l'idée que si vous avez des pensées positives, eh bien, par vibration, par énergie, bonnes énergies, vibrations positives et tout, il va vous arriver des trucs positif. Et inversement, bah, si vous avez des pensées négatives, eh bien, vous allez avoir des mauvaises vibrations, vous allez avoir une mauvaise énergie et il va vous arriver des trucs négatifs. Et en fait, donc j'ai cherché des articles là-dessus et je n'ai trouvé aucun article scientifique qui permette vraiment de valider quoi que ce soit là-dessus. Si vous avez trouvé quelque chose, je veux bien que vous me mettiez en commentaire. Parce que bah, j'ai pas cherché non plus pendant 3 semaines, j'avais pas que ça à faire. Mais les seules sources qui apportaient ce genre d'éléments, ce ne sont pas des sources fiables. Donc à partir du moment où les sources fiables ne se font pas voir, mais qu'il y a que des sources étranges, voilà. Donc ma question aujourd'hui, c'est de savoir si la psychologie peut venir valider un certain nombre de points comme ça, du fait que je vais bien, tout va bien, comme disait Danny Boone, je vais bien, tout va bien. Et donc du coup, cette espèce de méthode Coué qui fait que bah, on va avoir une vie merveilleuse et être riche et être en bonne santé et attirer le bonheur et tout. Ou est-ce que si on est vraiment dans le bad, est-ce qu'on va s'attirer des choses négatives? Donc mon but, c'est de voir si la psychologie peut dire quelque chose de ça, si on a des éléments factuels et scientifiques avec des auteurs en qui on peut avoir confiance. Et deuxièmement, si c'est le cas, est-ce qu'on peut utiliser ça dans les thérapies? Parce que moi, mon objectif, c'est toujours la même chose, c'est de savoir si ce qui est véhiculé dans la psychologie et dans la psychanalyse et dans la neuro et dans la médecine de façon générale, comment est-ce qu'on peut l'utiliser de façon thérapeutique au quotidien avec nos patients? Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, comme je le disais en introduction, je n'ai absolument pas vu d'éléments scientifiques qui permettent de dire qu'il y aurait une véritable loi de l'attraction. En tout cas, pas avec les éléments qui sont apportés de l'ordre d'une vibration, de l'ordre d'une énergie ou je ne sais quoi, et que ça devrait rentrer en résonance avec l'univers, le cosmos et donc les autres individus. Voilà, ça. Il n'y a rien de tout ça que je peux vous dire, vous pouvez y aller, c'est de la bonne. Mais par contre, eh ben, malgré tout, force est de constater que j'ai trouvé beaucoup de choses dans les écrits de psychologie, que ce soit de la psychologie sociale, de la psychologie clinique, de la psychopathologie ou quoi. On a quand même beaucoup d'éléments, d'études, qui nous montrent qu'il y a, si pas une loi de l'attraction, en tout cas quelque chose qui y ressemble. Mais c'est pas si simple que ça. À chaque fois, en fait, c'est pas tant une histoire de vibration ou d'énergie. En tout cas, j'ai rien trouvé dans ce sens-là sur la psychologie. Mais par contre, il y a bien des choses que votre façon d'être, votre façon de vous comporter, votre façon de vous présenter aux autres et votre façon de penser surtout va avoir énormément d'impact sur votre vie, sur vos interactions, sur votre capacité à trouver des solutions et tout. On va commencer déjà par l'effet placebo et l'effet nocebo. L'effet placebo, on sait que c'est le fait de se sentir mieux déjà quand on a pris rendez-vous chez son médecin. Donc il y a un transfert positif, il y a quelque chose de l'ordre du soin. Quand quelqu'un nous donne ne serait-ce que une poudre de perlimpinpin, de l'aspartame ou peu importe, eh bien les études nous montrent que rien que ça, déjà, le fait d'avoir une personne en face qui apporte
quelque chose de positif, et ça peut être vous, hein, le donneur d'aspartame, ça peut être vous, quand vous faites une bise à votre enfant parce qu'il est un peu malade et tout, ben ça y est, c'est un bisou magique, ça va tout de suite, j'ai moins mal. Donc déjà, il y a des éléments comme ça qui sont factuels et qui sont prouvés que dans 30% des cas, eh bien on peut réussir à améliorer la condition de quelqu'un juste par notre bienveillance, par notre attention et des choses comme ça. De la même façon, on va avoir l'effet nocebo. J'en ai déjà parlé dans un short. L'effet nocebo, c'est l'inverse de l'effet placebo. Et c'est le fait que si vous êtes face à quelqu'un que vous n'aimez pas ou si vous n'êtes pas aimé par cette personne, eh bien, vous pouvez induire des choses négatives. Et ça aussi, c'est assez bien renseigné depuis, si mes souvenirs sont bons, le médecin, je crois qu'il avait mis ça en évidence en 1961. Il faut revérifier cette info. Mais il me semble que c'est le cas. Donc voilà, déjà l'effet placebo et l'effet nocebo, ça a un petit peu à voir avec cette idée que une bienveillance peut apporter une amélioration et qu'une malveillance ou un sentiment de malveillance de la part de la personne en face va avoir un effet délétère. De la même façon, on a des études sur ce qu'on appelle l'effet Pygmalion en psychologie sociale. Alors en psychologie sociale, de toute façon, vous pouvez aller voir tout ce que font Jules Beauvois, tout ce qu'on fait Jules Beauvois, pardon, et notamment dans le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Avec le sourire, le fait de sourire va augmenter vos chances d'obtenir quelque chose quand vous en faites la demande, par exemple. Il y a vraiment par rapport au sourire, je vais vous mettre des études en description de toute façon, mais il y a beaucoup de travaux qui ont été faits par rapport au sourire et ce qu'on peut obtenir, et donc là encore une fois, ça peut être un sourire forcé, mais c'est quelque chose qui va d'abord parler de comment est-ce que vous vous comportez avec les autres. Et donc ça va jouer sur les interactions avec les autres. Si vous faites la gueule, fondamentalement, vous allez avoir des gens en face de vous qui vont faire la gueule. Neurones miroirs. Les neurones miroirs aussi sont quelque chose qui vont beaucoup mettre en avant cette idée que quand on est bien avenant ou quoi que ce soit, eh bien, il y a quelque chose aussi qui va se jouer dans la relation qui sera beaucoup plus facilité. Donc ça aussi, c'est des éléments qui pourraient aller dans le sens de la loi de l'attraction. Donc, je me suis perdu, mais je parlais de l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, c'est une super étude en psychologie sociale qui fait que on a dit à des enseignants, telle classe, ce ne sont que des mauvais élèves, ils sont terribles, ils sont difficiles et tout, et ils sont un peu ignares. Et d'autres enseignants, on a dit, eh ben, ces élèves-là, vous allez voir, c'est la crème de la crème, ils sont super gentils, ils sont super bien, ils sont très intelligents ou quoi que ce soit. Et en fait, vu que ça a joué sur les croyances des enseignants, eh bien les enseignants ont, entre guillemets, surévalué ce qu'on leur avait dit et venaient chercher un petit peu des biais de confirmation de ce qu'on leur avait dit de ces enfants-là et ils trouvaient exactement ce qu'on leur donnait. Et même si là, c'est pas eux qui ont décidé de penser comme ça, de penser positif ou de penser négatif, on voit que si on induit cette chose-là, ça va avoir un effet sur la relation, encore une fois, mais aussi sur la vision de performance d'un individu, et notamment d'un enfant. Donc ça, c'est encore un élément qui, selon moi, peut se rapprocher des lois de l'attraction. Je le redis, je suis pas là pour valider les lois de l'attraction, je m'en cogne, mais simplement de dire que ça peut s'expliquer par autre chose que par les vibrations, l'énergie et tatata. On a quand même pas mal de travaux qui permettent de voir que en psychologie, on peut améliorer sa condition de sujet, ne serait-ce que par ses pensées, ses cognitions et ses relations. Donc c'est ça vraiment le but. De la même façon, on va avoir, et je vais prendre les deux cas extrêmes dans les théories de l'attachement, on va avoir soit un attachement sécure, soit un attachement insécure, il y a les autres, mais je vais prendre ces deux extrêmes-là. Ça aussi, clairement, sur la vision que va avoir un individu tout au long de sa vie, eh bien, ça va énormément jouer. On sait que quelqu'un qui a eu un attachement insécure dans l'enfance, il va être dans la méfiance, il va avoir un biais, là je parle pas de biais cognitif, je parle de biais de vision, de biais sur sa lecture du monde, qui va être très négatif, très anxieuse,
et qui fait que, mine de rien, il va se couper de beaucoup d'opportunités qu'il pourrait se créer. Il va se couper de certaines relations, de certaines rencontres, d'oser un certain nombre de choses. L'estime de soi aussi, c'est un peu du coq à l'âne, mais c'est lié. L'estime de soi va être quelque chose qui va beaucoup jouer sur les lois de l'attraction, sur ce qu'on appelle les lois de l'attraction. Quelqu'un qui a confiance en lui, qui est sécure, il va oser aller parler à telle personne, il va oser tenter tel concours, il va oser tout un tas de choses dans sa vie. Et donc, plus on ose, plus on mise sur un certain nombre de choses dans sa vie, bien évidemment, et plus on va pouvoir récolter les fruits de ce qu'on a semé. Je reprends l'exemple de quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou qui a un trouble de l'attachement. Ça va être beaucoup plus compliqué, ça va être beaucoup plus restreint. Toutes les choix et les choses qu'il va oser dans sa vie, ça va être beaucoup plus dur. Donc vous voyez, il y a ces choses-là. Et autre chose, ça y est, je viens d'y repenser. Je vous renvoie à... La caméra s'est arrêtée parce que a priori, elle surchauffe. Je suis ravi, je suis content. Donc j'allais aller sur l'étiquetage. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'étiquetage. L'étiquetage, c'est exactement ça aussi, c'est comment est-ce qu'on peut, à un moment donné, manipuler, orienter des qualités ou des défauts chez quelqu'un. Et du coup, ce qui est vraiment important à voir là-dedans, c'est que, attention, il peut y avoir une loi de l'attraction qui est en vous, c'est-à-dire vous êtes positif, vous êtes souriant, vous êtes avenant et tout, et quelque part les portes vont s'ouvrir à vous. Clairement, je peux pas faire autrement que de penser à ma femme en disant ça, qui a tout le temps de la chance, mais c'est parce qu'elle est comme ça. Et moi qui suis beaucoup plus bougon et beaucoup plus renfrogné, ben clairement, j'ai pas toujours le sentiment d'avoir la même chance. Mais bon, ça s'améliore. Elle arrive à me tirer vers le haut et moi j'arrive à ne pas la tirer vers le bas. Donc c'est plutôt positif. Mais qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Faites attention à ça. Ce que l'étiquetage nous montre, c'est que 6 lois de l'attraction, il y a. Ce ne sont pas que des choses qu'on a, nous, dans notre tête ou quoi que ce soit. Ça peut aussi être induit par les autres. C'est un petit peu ce que, si mes souvenirs sont bons, dans l'étymologie du mot malédiction ou du mot bénédiction, la malédiction, c'est mal dire. Donc, amener quelque chose de mauvais, alors que la bénédiction, c'est une bonne parole, quelque chose de bien. Et qui peut amener, entre guillemets, à ce que les choses soient plus bonnes, en tout cas, selon cette théorie de l'étiquetage. Dernier point que je vais aborder, par rapport à tout ça, c'est qu'il y a, dans des bouquins que je lisais, il était question du désir ardent, alors des bouquins pas du tout de psycho, des bouquins qui sont vraiment dans un autre registre, pas du tout médical, pas du tout, bref. Et cette question de désir ardent, elle est vachement intéressante, je trouve, parce que c'est comment est-ce que quand on a une pensée vraiment très focalisée sur quelque chose, eh bien en fait, toute notre pensée va toujours être tournée vers ça. Et tout ce qu'on va rencontrer dans notre vie va être suspecté d'être quelque chose qui nous permettra d'y arriver. Par exemple, je veux absolument obtenir tel poste, et en fait, c'est comme si tout notre cerveau, notre psyché, notre inconscient, était tourné vers cet objectif qui était vraiment un feu ardent à l'intérieur de soi. Et ce qui fait que tout ce qu'on va voir, ça va être utilisé pour pouvoir atteindre cet objectif. Ça me fait penser à l'expression « si vous avez un marteau, tout va commencer à ressembler à des clous ». Et c'est un petit peu ça. Quand on a un objectif, eh bien, on peut faire feu de tout bois pour arriver à cet objectif, en fait. Et c'est ça aussi, je le mettrai un petit peu là-dedans. Mais ça, c'est pas de la psycho, j'ai pas d'études à vous présenter là-dessus, voilà, je vais pas aller plus loin que ça. Donc pour conclure, parce que mon café est bientôt fini, et ma pause aussi, parce que j'ai un patient dans 4 minutes, je pense que je vais avoir un petit peu de retard. Est-ce que cette histoire de loi de l'attraction, ça peut être utilisé en psychothérapie, et est-ce que ça peut être utile, est-ce que ça peut être thérapeutique pour nos patients ? Eh bien, je ne peux pas m'empêcher de dire que ma réponse est oui, bien évidemment. Mais pour ça, il faut que, encore une fois, je radote, parce que c'est vraiment mon leitmotiv à moi, c'est qu'il faut être actif là-dedans. On ne peut pas rester passif dans ces histoires-là. Ça met encore une pièce dans cette machine-là, du fait de devoir être actif. Le patient, il ne peut pas
juste venir en séance et entendre qu'on lui dise qu'il faut qu'il change ses pensées, que en changeant ses pensées qu'il va voir, que ça va être un petit peu mieux ou quoi que ce soit. Ben non, mais il va vraiment falloir que le travail qu'on fait sur le changement de vision sur son attachement, le changement de vision qu'il a sur le monde, le changement de sa façon de se présenter à l'autre, d'être plus souriant ou quoi que ce soit. Bon, ça, j'avoue que j'ai jamais dit à un de mes patients, là, bon, va falloir être plus souriant. Donc, c'est peut-être un peu cucu et réducteur ce que je suis en train de dire, mais quoi qu'il arrive, tout le travail qu'on va amener de changement des pensées, des cognitions et d'utilisation des émotions, ça peut être utilisé vraiment dans cette optique de se retrouver à être acteur de la chance et des possibles et des bienvenues, enfin, je veux dire des choses qui sont bienvenues dans notre vie pour améliorer notre condition de sujet. Et enfin voilà, il faut vraiment revoir toutes les études dont j'ai parlé ou que je vous ai notées là dans la vidéo, parce que il faut vous en convaincre que vraiment, en fait, cette histoire de quand on veut, on peut, ça peut s'appuyer sur un certain nombre de choses de psychologie. Donc voilà, ce nouveau numéro de Va te faire suivre en mode tranquille, discussion, café, on est bien, tisane, voilà, est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je ne sais pas si ça se voit, mais je suis en train d'être sous la pluie, donc c'est le bon moment d'arrêter la vidéo. Si vous voulez aider la chaîne, eh bien vous pouvez faire comme les merveilleux tipeurs qui m'aident. Vous avez le lien en description sous la vidéo. Une autre façon d'aider la chaîne, c'est de vous procurer mon livre que vous trouverez sur toutes les bonnes, sur toutes les Amazon et compagnie là, et les Babelio et les Fnac ou quoi. Et puis si vous n'aimez pas ça, eh ben, vous pouvez aller le demander à votre libraire s'il ne l'a pas en magasin. Et il y a des bonnes choses qui arrivent pour le futur, donc restez connectés. N'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram si vous voulez me poser des questions et qu'on interagisse ou quoi que ce soit. Je lis tous les messages sur Telegram parce qu'on est, 37, donc c'est facile. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Mais d'ici là, n'oublie pas que... Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue. Yes. Yes. Oh.